tous et bienvenue ici en direct de l'Orange Vélodrome pour enfin le retour du public pour un match de championnat. C'est la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats et c'est un classique de championnat de France. Allez l'OM ! Allez l'OM ! Le retour des supporters, 50 000 supporters au stade. On a vécu un an et demi sans aucun supporter. Moi je m'attends à un grand match, un grand public et voilà. Le retour du public, c'est une très bonne chose, notamment ici dans ce club. Donc on a à cœur de faire un gros match. On sait que Bordeaux, ça va être un match compliqué. Ils ont perdu leur premier match, donc ils vont venir au Vélodrome pour montrer autre chose. Ça va, ça va. Yes. On sait qu'on a beaucoup de qualité dans notre effectif. Donc c'est à nous de tout mettre en œuvre pour gagner ce match. Bonsoir à tous. Quelle ambiance de folie ici à l'Orange Vélodrome. Les drapeaux, les maillots sont là. Quelle ferveur, quel grand bonheur de voir ce stade, cet Orange Vélodrome plein. Pour fêter les 30 ans de son ballon d'or, c'est Jean-Pierre Papin qui est en duplex avec nous. Ça reste un bonheur de venir aujourd'hui ici par rapport à tout ce que j'ai pu y vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être une grande fête et pour les supporters et pour moi. De la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. L'Olympique de Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux. Oh là là, oh là là. Attention, il y a un joueur bordelais qui a fait un malaise. J'ai l'impression tout le stade est derrière le joueur bordelais. Il est applaudi par l'Orange Vélodrome. Le petit pont de la boîte. Il siffle rien. Et oui, il y a faute, monsieur l'arbitre. Allez, Conrad de la Fuente qui met le feu. L'accélération de Conrad. Conrad face à lui, Mécher, il préfère donner à Gerson le centre en retrait. Mais le but, yeah. Cengiz Under. Le titre du Bosphore. L'accélération de Conrad de la Fuente. Le ballon parfait pour Gerson. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille face à Bordeaux. Et le Hausarme qui est lancé dans l'Orange Vélodrome. Payet qui est lancé, Payet au 20 mètres, Payet. Dimitri Payet qui va rentrer, Dimitri Payet, la frappe et le but. Dimitri Payet, c'est pas possible, c'est le Dimitri Payet de l'époque Bielsa que l'on voit cette saison ici au Vélodrome. Ah, cette ambiance, elle est unique dans le monde du football, l'Orange Vélodrome qui crie Dimitri Payet. Dimitri Payet 2-0 pour l'Olympique de Marseille. La frappe et le but, oh, c'est pas possible. Eh oui. Oh là là, le tir contré de Timothée Pembélé. La réduction de l'écart. Allez, seront mobilisés. C'est là que le public doit faire son effet. Aïe, la reprise, le déca... Oh là là, c'est pas possible. L'égalisation de Rémi Houdet. Allez, ça fait de partout l'ambiance du Orange Vélodrome pour encourager. Rien n'est perdu, il reste encore du temps. Cengiz Under dans la surface, la frappe
de Cengiz, pied droit, qui s'envole dans le ciel de Marseille. Et il s'est fait mal. Après, derrière, Cengiz Under, c'est les crampes hein, pour le Turc. Allez, changement. Avec Radonjić, bien aidé par Roger Radonjić, la surface, centre en retrait, le contrôle, la frappe, non, il a été touché, puis pas Benedetto, et il n'y a rien, il ne siffle rien. Oh, c'est une incroyable action, au bout du pied là, Benedetto, il a été contré. L'appel de balle de Radonjić, il n'y a pas hors-jeu, mais là mon petit, la frappe de Radonjić, il est là, et hors-jeu, c'est pas possible. Et c'est terminé, l'OM concède le match nul pour la première à l'Orange Vélodrome en cette saison 2021-2022. De partout, Under et Payet sont les buteurs marseillais. On se retrouve à Nice. Vélodrome Stadium is amazing. I think it's the best stadium that I've played in my life. So nice. Maracanã is that nice in Brazil, but it is so much beautiful, and the stadium is incredible outside and inside, better than outside, so incredible. And of course, I want to play a lot of games here. Pour t'abonner à la chaîne, clique ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications.